Bien, on a, on a quand même un personnage très sérieux Ah non, mais C'est un. Comment dire Je suis accueilli en fanfare. <laughs> Alors, Ellie Cohen, je ne sais pas fondateur. si les applaudissements c'était pour moi euh, bah, ou Ben, C'est pour toi aussi, Bien parce ah que bah, regarde, okay. on va applaudir à ces chiffres qui sont formidables. Le passionné d'hébreu que tu es s'est euh, euh, lancé dans une aventure. Tu étais un peu seul au départ avec ton frérot, hein, ah bah, Julien. Oui. Mais tu y croyais il y a cinq ans, euh, ce programme euh, en distanciel, comme on dirait maintenant, online Je ne sais pas si on peut appeler ça distanciel. C'est un contenu à regarder de chez soi, de chez à n'importe quelle heure. Ce sont des cours préenregistrés. Plus de 10 000 apprenants. Voilà. 1 200 000 vues sur euh, vos vidéos YouTube. Plus de 500 cours disponibles sur la plateforme. Voilà. Les 500 cours sont disponibles sur la plateforme. Il y a 5 sur cinq niveaux. Et donc, euh, on peut euh, tout à fait apprendre l'hébreu à 3h du matin si on est insomniaque, par exemple. Ah, Et bah, vous ne vous, ça vous arrêtez bien. pas là parce qu'en plus, vous éditez des formidables méthodes, ouvrages jusqu'à l'agenda que tout le monde va s'arracher. L'agenda bilingue. Bilingue, 2022-2023. Mais vous avez aussi édité un Chiron euh, pour euh, chanter tous ensemble 200 chansons israéliennes traduites en français avec le texte original. Et puis, n'en jetez plus. Il y a aussi <laughs> des jeux de cartes. Un pour réviser le, le programme. Voilà, on tirera une carte, si vous voulez, à ceux qui veulent <laughs> <laughs> connaître leur avenir linguistique. Uh, et, puis, et puis plein d'autres méthodes pour les, les débutants, les faux débutants, les intermédiaires, les intermédiaires plus. Voilà. Il me manque une et catégorie. Et même un petit et, imagier pour les enfants. Et il y a même des, Ah bah ça c'est formidable. Avec les vidéos YouTube qui, euh, qui sont accessibles par le QR code. Alors Eli Cohen, déjà comment ça marche aujourd'hui à Cour d'Hébreu Il y a un système d'abonnement et ça concerne quel public Qui aujourd'hui va sur à Cour d'Hébreu Est-ce que ce sont des biblistes, des jeunes qui veulent préparer l'oralia ou tout simplement des, euh, des amoureux de la langue c'est mythique. C'est tu, tu, tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est un, un abonnement qui commence à 20 euros, donc c'est extrêmement accessible. Ça permet d'apprendre l'hébreu donc de chez soi à n'importe quelle heure, euh, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans depuis la bar mitzvah. Vincent, tu peux y aller Merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, euh, donc, il faut savoir lire, mais si on ne sait pas lire, on peut passer évidemment le niveau alphabet pour se remettre euh, l'alphabet en tête, l'alphabet carré, l'alphabet cursive. Alors, on a tous entendu ce, ces mots un petit peu rébarbatifs, mais avec un cours des brutes, tout devient limpide. Et disons que, euh, disons que ça s'adresse à tout public. Parce que vraiment, on est tous des enfants au final quand on commence une langue. Hein, on, on se retrouve, c'est pour ça que j'ai fait un imagier enfantin, mais qui peut être utilisé par, par euh, n'importe qui. Euh, tu sais dire rhinocéros en hébreu Non. Bah bah, tu donc tu es, euh, en fait tu es comme Mais un nom Voilà. c'est une corne et af c'est le nez. Oui, rhinocéros. Bah, c'est vrai que c'est ah, une oui origine euh, euh, grecque. Hein, L'étymologie de rhinocéros. Et, et donc, euh, donc, donc donc je te disais, c'est tous les publics, c'est des publics qui veulent euh, apprendre pour le plaisir et des publics qui veulent apprendre pour une utilité d'aliyah, évidemment. C'est l'hébreu est utilitaire aujourd'hui hein, depuis une centaine d'années. Et et puis et puis euh, des gens qui veulent se rapprocher du judaïsme, se rapprocher des textes euh, sacrés, évidemment, euh, qui ne sont pas forcément juifs. Il faut le dire. On a beaucoup de, de, de cette sociologie là et qui sont euh, qui découvrent qui découvrent cette culture magnifique. Alors quelle intuition au départ, hein, parce que vous y êtes engagé corps et âme. Euh, de vous dire qu'il fallait, parce que c'était inexistant dans le paysage, un outil relativement agile, ludique, avec effectivement plein de, euh, plein de recours euh, entre les, les méthodes, les tutos, euh, les programmes courts, même les séries euh, télévisées euh, avec les, les sous-titres. Euh, C'était quoi le constat de départ C'est qu'on n'en faisait pas assez pour l'hébreu euh, dans la communauté en France, où il n'y avait qu'une approche un peu euh, au sens grammatical, peut-être un peu trop scolaire bah, Disons qu'il y a beaucoup de velléités depuis des années, depuis que même moi j'étais à, à l'école, euh, dans les écoles juives, il y a beaucoup de velléités. Il faut euh, enseigner l'hébreu aux enfants, ils n'ont pas un, un assez bon niveau d'hébreu, on dit la même chose pour l'anglais, mais l'hébreu aussi, alors qu'ils savent très bien lire à 200 à l'heure euh, la, la ils sont, ils savent. Euh, parfaitement lire la Haggadah ils savent, ils savent tout ça, ils savent les prières, mais ils comprennent rien, pas un traître mot, et ils savent pas dire une phrase. Mais là, il s'agit d'hébreu bre, biblique. Non, mais ce que je, ça reste de l'hébreu. Quand on a un bon niveau d'hébreu moderne, on comprend la dessus là. C'est les mots simples. Mais la prière en français. Et donc, disons que c'est parti d'un constat simple qu'il y a quelque chose qui n'y allait pas, qui bloquait. Et c'est quoi, en fait C'est que les gens veulent tout de suite pratiquer. D'ailleurs, j'ai souvent des gens au téléphone parce que je suis très proche de ceux qui, de, de, de nos adhérents, et ils me disent ah moi je veux pratiquer ah oui mais tu sais pas faire une phrase en hébreu tu sais pas conjuguer un verbe tu sais pas que en hébreu les prépositions se déclinent avec moi c'est pas avec moi c'est pas deux mots c'est avec qui se décline à la première personne donc tout ça si on ne sait pas mmh. en hébreu qu'on ne passe pas par cette phase d'apprentissage on, 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 on ne peut pas parler donc qu'est-ce qu'on qu qu s'est dit il faut améliorer cette phase d'apprentissage. Et donc, au lieu d'aller dans un livre et d'apprendre euh, de manière, euh, je dirais, à l'ancienne, c'est difficile de lire déjà l'hébreu et de, et de déchiffrer un texte en hébreu, euh, même dans un livre de grammaire ou dans un livre d'apprentissage, on s'est dit, bah, on va faire une vidéo où ça part. C'est une sorte de livre ouvert. Alors vous vous mettez en scène parce que d'abord il était légénique, notre ami Elikoen, hein, on a chance de le voir en post-cadmium. Bah c'est post le, le maquillage, c'est le maquillage, c'est très expressif. Euh, c'est intéressant de, de travailler sur ce format euh, dont on pouvait dire qu'il était... Euh, d'une certaine manière anecdotique, euh, sympathique au demeurant, mais aujourd'hui avec tous ces programmes, tous ces tutos, est-ce que c'est pas là où se, se passe l'apprentissage d'ailleurs quand on a envie d'apprendre un tuto euh, je sais pas, bah moi, oui. un bricolage bah oui. Est-ce que il n'y a pas une espèce de, de convergence vers ce média euh, qui, qui apporte quels, euh, comment dire, quel apprentissages à, à ceux qui sont devant leur écran Est-ce que on a à la fois les fondamentaux, la grammaire dont vous parlez, exactement. le vocabulaire, et puis en même temps le jeu en fait, avec euh, des quiz C'est exactement ce que ce que tu dis, c'est l'interactivité. Euh, Philippe, quand tu dis, tu parles de, de tuto. Le tuto, tu vas pas aller prendre un rendez-vous euh, quelque part euh, chez Bricorama pour euh, pour aller à telle heure pour voir un tuto. Le tuto, tu en as besoin tout de suite. Donc c'est toi qui choisis le moment où tu vas aller voir ce tuto. Et ben c'est pareil, à cours Cour des il y a des gens qui ont des emplois du temps extrêmement chargés, ils ne peuvent pas se, ils peuvent pas se, se libérer pour, pour 18h, 18h30 ou 19h pour un cours. Ils ne peuvent pas. Donc ils font ça à 23h, ils font ça au, le matin au réveil, ils ouais, font ça la carte. pendant la nuit. C est, c est... Et en plus, je dirais que tous ceux qui, qui, qui suivent un Ulpan, un Ulpan c'est deux heures par, par semaine, en France, en Israël, c'est un peu plus, mais même en Israël, où ils ont beaucoup d'heures d'oulpane, ils sont obligés de sauter des notions qui, au final, ne sont jamais apprises. Et donc, les apprenants se retrouvent avec une montagne de, de lacunes qu'ils trimballent toute leur vie. Et ils atteignent un plafond de verbe, un plafond de verre, pardon, pas de verbe. ça révélateur. Et ça devient, malheureusement, euh, ça, ça frise un peu l'échec, parfois. Alors, toi, tu es grammairien, tu as passé le concours général en hébreu, Colacavode. Tu travailles aussi avec euh, Dialang, hein, l'institut bien connu du euh, 9e arrondissement, je crois. Absolument, qui, euh, Avec qui et ton, euh, ton condisciple, vous animez d'ailleurs bah, les cours le ensemble. C'est le, le premier moi, je ne suis que le passeur. Oui, alors raconte-nous. Alors, on, on aurait pu mon, voilà, attendre <laughs> un extrait de, de, de ta voix euh, si douce et laryngée avec Itzik, mais on, on invite vraiment les auditeurs à se ruer sur d'Hébreu.com. C'est voilà. très simple. Euh, comment se présente un, un format de cours alors, alors justement, avez, comme, une émission radio. Bah, comme une émission comme radio, une émission ah, radio ou télé, c'est-à-dire qu'on a un tableau numérique, euh, bon, ça c'est pour le côté high-tech, pour les, la lisibilité à l'écran, mais entre, euh, entre nous, donc Itzik et moi, nous avons un tableau numérique. Itzik, euh, donc nous affichons le PDF que les, les apprenants doivent télécharger et... Euh, Itzik lit les textes, explique les mots, explique les verbes hors contexte, etc. On lit le texte, on répond, on corrige les exercices. C'est vraiment un vrai cours académique, sauf que, sauf que le ton, le, le dynamisme est tout à fait différent, puisque en fait, c'est comme si vous aviez deux profs, mais un qui posait les questions que vous vous posez ou que vous devriez vous poser, et, euh, et un prof qui explique euh, vraiment et qui, a, et qui est, comment dire, euh, à qui on donne la réplique. En fait, il est pas face à l'écran, c'est pas du tout. Euh, shalom, ouvrez vos cahiers, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas scolaire. C'est vraiment. Voilà. Y bah côté, même si il y a un côté. Il y a Débreu. un ton. Ah, Émissions, télé, radio. Vous êtes les profs. des profs d'hébreu breux rêvés, évidemment. Mais comme d'ailleurs vous l'êtes, je crois euh, aussi, euh, Nathanel dans vos colos, l'hébreu est important. Dans le... Il est prégnant dans le... les mahanénon. Il ouais, y, les... y a aussi pendant, pendant tout le long le ken, le kumsitz. Les... On y a donne les noms. Plusieurs mots en qui, qui sont des définitions. Euh qui, qui reste attaché à ce à cet langage. Malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de, de, de comprendre l'importance de, de la langue hébraïque aussi pour la culture euh, juive, historique de, de, du peuple. Mais, mais c'est beau que d'un côté, on arrive à garder quand même des, des définitions. Et de l'autre euh... côté, il faut toujours réfléchir comment le faire plus présent, bien sûr. Alors, on rappelle juste pour toutes celles et tous ceux qui ont, comment dire, échappé à ce bulldozer d'accords d'hébreu ludique, sympathique, convivial. Et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que je révise dessus. C'est complémentaire quand même aux apprentissages conventionnels. Oui, bien sûr, il y a plein de gens où qui... On peut se dire qu'on va vraiment faire énormément de progrès en étant euh, sur le site euh, simplement, exclusivement, où il peut y avoir quand même des besoins plus... Il y, y, a, y a plein de gens qui, 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 se sont, qui, qui me disent souvent, euh, avant de voir les vidéos, c'est pas pour moi, moi je n'arrive pas à rester sur une chaise, j'ai besoin d'un présentiel, j'ai besoin d'être en classe, etc. J'entends parfaitement. D'ailleurs, pour une langue, il faut tr toujours trouver la méthode qui nous va le mieux. Mais certains, et beaucoup même, ont essayé, ils se sont dit, bon allez, je vais quand même regarder un, deux cours, trois cours, puisque tout est dans l'ordre, évidemment, cours 1, cours 2, selon son niveau, il y a un, un test de niveau tout ça. Et, et ils se sont pris au jeu, et ils se sont dit, on a l'impression, en fait, Déjà qu'on est avec vous, alors qu'il n'y a pas d'interaction, au final c'est une vidéo, mais on a l'impression qu'il y a une interaction parce que c'est tellement vivant, ça ressemble tellement à une émission télé téléradio que voilà, on, on fait, part, on est partie prenante de ce de, de cette euh, demi-heure de cours, ça, coûte, ça, ça, ça dure à peu près 30-35 minutes, et, et, et deuxièmement, on n'a pas l'impression d'apprendre, on apprend. Et, euh, et on passe un beau moment, on a envie de, de passer à la leçon supérieure. C'est vrai. Et Donc beaucoup voilà. de témoignages, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et pour répondre à ta question, évidemment que c'est extrêmement euh, complémentaire d'un hulpan physique, etc. Allez sur le site, vous verrez beaucoup d'apprenants, justement, qui racontent euh, leur feuilleton euh, linguistique avec à court des d'Hébreu, les progrès qu'ils font. Euh, petite question, mmh. comment euh, vous voulez contrôler à distance Alors, il bon, y a une interaction, mais euh, est-ce qu'on peut euh, s'auto-évaluer avec les méthodes papier, avec un quiz implémenté Comment on évalue sa progression, enfin, justement, du faux débutant qu'on était hier euh, au niveau d'intermédiaire Alors il y, y, y a bien sûr des exercices qui sont à faire dans les PDF, dans les PDF ou dans le livre. Hein, le livre se reprend en fait les, les, les PDF. Il euh, y a des exercices à faire qui sont ensuite corrigés et savamment commentés par nos soins. En vidéo, donc en fait, je pose, je dis Itzik, mais est-ce qu'on aurait pu dire ceci ou cela Et c'est en fait les questions que vous vous posez ou que vous devriez vous poser. Il y a des coachings évidemment avec des professeurs en Skype, mais qui vont vous faire travailler uniquement sur ce que vous avez appris. Ils vont pas vous parler de, de la politique israélienne euh, ou alors de, 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 de choses qui sont hors, complètement hors sujet par rapport à la à votre euh, à votre apprentissage. Et, troisi et troisièmement, il y a des quiz. Euh, après chaque euh, leçon, il y a une petite évaluation de 10 questions pour euh, sanctionner sans faire mal, bien sûr. Au sens neutre. Sanctionner vos, vos, votre apprentissage, vos connaissances acquises. L'hébreu, comme on l'aime, sans verrou, sans tabou, et avec une, et une dimension loisir, une dimension de plaisir. Ça, c'est sur accoursdhébreau.com. Allez-y, l'abonnement est vite rentabilisé. Ah oui. et, et puis, on vous donne rendez-vous, puisque je vois les, les minutes qui s'égrènent, pour une autre dimension loisir, celle du sport dans 15 jours. Absolument. On va parler avec les représentants de... Maccabi France et bien de cet événement formidable qui se passe en Israël les Maccabiades en Israël Julien il sera sans doute euh, et nous enverrons aussi des jeunes euh, qui sont affiliés dans des disciplines sportives pour vivre ces Olympiades autour de la mi juillet et ça c'est le sujet de la prochaine émission merci à vous bon préparatif pour vos colos euh, et bien Bert slacha l'ai-je bien dit Todaraba, parfaitement voilà. c'est notre ami aussi qui peut t'évaluer aussi hein, sur l'accent et puis Vincent a de sérieux oui on va s'occuper de toi on va lui offrir, offrir, offrir un abonnement euh, merci à Daniel Tapia à la Régisson et on se retrouve donc pour le feuilleton des colos dans 15 jours et puis pour parler des macabiades